Dwayne Chapman appelait pour voir son fils, qu'il aurait autrefois traité avec cruauté. La mère du gars prétend que Dwayne a abandonné son fils. Cependant, leurs retrouvailles ont été une expérience mémorable et curative pour tous les deux. Le chasseur de primes Dwayne Chapman, plus connu sous le nom de Dr. Bounty Hunter, et sa famille sont sous les feux de la rampe depuis de nombreuses années. Alors que beaucoup de ses enfants sont célèbres, la star de la télé-réalité a eu un fils dont personne ne connaissait l'existence. Cependant, il a été rapporté plus tard que la personnalité de la télévision, AJ, de 68 ans, avait cruellement abandonné le garçon et n'a pas tenu son rôle de père pendant de nombreuses années. Dwayne a fini par se rendre compte de son erreur, a supplié de lui rendre son fils, et voici comment ils se sont retrouvés. Dwayne Chapman, lors d'un événement, à gauche, Christopher Hecht, le fils de Dwayne Chapman, en débardeur blanc, à droite. Photo, Getty Images. Dwayne a plaidé pour récupérer son fils Christopher Hecht, le fils de Dwayne, aurait été privé de figure paternelle pendant tant d'années, qu'il est devenu un adolescent perturbe. Sa vie a été si tumultueuse qu'il a lutté contre une série de problèmes personnels, dont l'abus de drogue. Christopher a grandi dans la maison d'une dame nommée Gloria Hecht. Alors qu'il n'avait que 5 ans, Gloria adopte Christopher après le suicide de sa mère biologique, Debbie White. Dwayne et Beth Chapman lors de la 48e cérémonie annuelle des Academy of Country Music Awards le 7 avril 2013. Photo, Getty Images. La famille Hecht n'avait aucune idée que Dwayne était son père biologique jusqu'à ce que la star de la télé-réalité lui tende la main. Christopher avait déjà 19 ans à l'époque. Cependant, il semble que la famille n'ait pas apprécié que Dwayne ne s'occupe pas de son fils alors qu'il savait qu'il était le père. À bord de la question, Gloria accuse le chasseur de primes d'avoir cruellement abandonné Chris et de l'avoir traité affreusement. Gloria déclare que le garçon était privé d'une présence masculine et qu'il a lutté tout au long de son enfance et de son adolescence. Affirme que certains des problèmes de Christopher résultaient des abus qu'il recevait des autres lorsqu'il était avec sa mère. Cependant, Dwayne a fini par lui tendre la main, et lorsqu'il l'a fait, Gloria refuse de lui accorder de l'attention, mais il la supplie. Il a également tendu la main à son fils quand il avait 19 ans, et Christopher était extatique. La relation entre Christopher et Dwayne, Christopher, qui rêve toute sa vie de la présence d'une figure paternelle, a enfin obtenu ce qu'il voulait. Le père et le fils ont commencé à construire une relation, mais les choses se sont dégradées lorsque Bess, la dernière femme de Dwayne, s'est interposée entre les deux. Gloria a dit, Bess ne s'entendait pas avec Chris parce qu'il était plus jeune qu'elle de quelques années. Elle ne traitait pas bien Chris et il ne s'appréciait pas du tout. Il était totalement isolé quand Bess était vivante. Elle ajoute que Dwayne, 68 ans, a cessé d'être gentil avec Christopher après l'arrivée de Bess. Manquait des insultes à chaque occasion, se moquait de Christopher, et démolissait Chris à chaque occasion. Degré il a démoli Chris dès qu'il en a eu l'occasion, plus ou moins a déclaré Gloria lors de son interview dans Der Sun. Force est de constater que Christopher, qui se retrouve derrière les barreaux pour avoir menacé quelqu'un, un an 2020, a eu une relation tumultueuse avec son père. De plus, selon Gloria, Christopher a deux enfants que Dwayne ne reconnaît pas. Dwayne sort avec l'ex de son fils en fait. La relation entre Dwayne et Christopher a tourné au vinaigre lorsque ce dernier a découvert que son père sortait avec son ex-petite amie Moon Angel.
C'est également Gloria qui a fait savoir que son fils sortait avec l'ex-petite amie de Doug, Muon, avant son père. Une interview, la mère de Chris a déclaré que Muon et Christopher sont sortis ensemble pendant environ un an. Un couple s'est rencontré dans la rue, devant la boutique de Doug the Bounty Hunter, dont elle était fan. Christopher et Muon ont eu plusieurs problèmes au cours de leur relation, mais le couple a emménagé dans le sous-sol de la maison de Doug et Bess malgré leurs différences. Bess et Muon se sont immédiatement liés et sont même devenus les meilleurs amis du monde. Christopher désapprouve cette relation, il ne pouvait rien faire. Le couple a fini par se séparer, et des années plus tard, Dwayne a commencé à sortir avec Muon lorsque sa femme est morte. Notons que Bess est décédée d'un cancer de la gorge en juin 2019. Christopher voulait tuer Doug lorsque Doug et Muon ont commencé à sortir ensemble, ses filles Lisa et Cecily Chapman ont désapprouvé cette romance. Elles ont reproché à Muon, sur les réseaux sociaux, d'avoir eu une liaison avec leur père et d'avoir emménagé dans la maison qu'ils partageaient autrefois avec Bess. Et, il s'est avéré que les filles de Doug ont peut-être eu ce qu'elles voulaient puisque la relation des tourtereaux a brusquement pris fin en 2020 après que Muon ait refusé la demande en mariage de Doug sur The Doctor Oz Show. Par ailleurs, Gloria déclare que Chris était rempli de rage lorsqu'il a découvert que son père et Muon avaient une liaison. Elle a dit qu'il était tellement en colère qu'il voulait blesser physiquement Doug, mais il n'a rien fait. Un aperçu sur la vie tumultueuse de Doug de la mort tragique de sa femme à la perte d'un enfant, la star de la télé-réalité a connu beaucoup de drames. En grandissant, Doug a vécu une vie difficile et était membre d'un gang de motards. Il a été arrêté plusieurs fois pour vol à main armée et autres activités criminelles. En 1976, Dwayne a été arrêté après qu'un ami a tué un homme par balle lors d'un trafic de substances illicites. Bien qu'il ait prétendu n'être qu'un simple complice, il a été reconnu coupable de meurtre au premier degré. De vie tumultueuse de Doug ne connaissait aucune limite, et cela s'étendait même à son histoire d'amour. Le chasseur de primes de 68 ans ne termine son séjour au pénitencier d'État du Texas, sa première femme, la fondacière Onecut, a divorcé et parti avec son meilleur ami. Cependant, peu après sa libération, Doug the Bounty Hunter s'est marié avec Anne Mill. Angèle, et ils ont eu trois enfants. Avant leur divorce, l'un de leurs enfants, Zebdin, né le 1er janvier 1980, est malheureusement décédé 30 ans plus tard. Après Angèle, Doug a épousé deux autres femmes avant de rencontrer enfin Bess, avec qui il est resté jusqu'à sa mort en 2019. La star de la télé-réalité a été mariée 5 fois et a eu 12 enfants. Les enfants de Doug, l'enfant le plus âgé de la personnalité de la télévision de 68 ans, est Christopher Michael Hecht. Dwayne a eu son deuxième fils avec sa première femme, Darnell, avec qui il a eu son troisième fils, Leland. Sa première fille, Zebadin, avec sa seconde ex-femme, Teniel, en janvier 1980. Malheureusement, elle est décédée un mois après sa naissance. Lui et Teniel ont eu deux autres enfants, les fils Wesley et James Robert. La troisième femme de Dwayne était Lisa Ray Britton. Pendant leur mariage, ils ont eu trois enfants, dont Barbara Katie Chapman, Tucker D. et Lisa Ray. Malheureusement, Barbara est décédée dans un accident de voiture en 2006. Avec sa défunte épouse, Bess, il a accueilli sa plus jeune fille Bonnie Joanne,
ni avant le mariage de Bess et Doug en 2006. Le couple a également eu un fils, Gary, et une fille, Cecily. A eu Cecily avec son ex-mari. Alors que de nombreux enfants de Doug sont sous les feux de la rampe, certains sont restent très discrets. Cependant, malgré une relation pas si parfaite avec ses enfants, Dwayne a dit un jour que ses enfants sont sa vie. Lire aussi. Larry Beer aimait plus ses enfants adoptifs que son enfant biologique, qui espérait faire partie de sa vie. Abonnez-vous à Momam sur Google.